Je m'appelle Paul. Mon sobriquet, c'est Turi, alias Tutu pour les intimes. Et je suis chanteur de rap, comme les médias aiment m'appeler. Parce que c'est un joli mélange. Je m'interdis rien. Un coup, je rappe. Un coup, je chante. Un coup, je chuchote. Un coup, c'est de la poésie pure et dure. Et puis, c'est le bon compromis. Le petit Turi était gentil. Le grand Turi veut des jambes qui s'ouvrent. Le petit Turi voulait sourire. Le grand Turi veut des jambes qui tournent. Je suis payé pour vider mon sac. Je crois qu'il y a beaucoup moins de serpents à ma table. Un jour c'est la dèche, un soir il y a l'étal. Puis tout peut finir dans un carton, même les médailles. Je croyais que j'avais besoin d'un gars pour être un G et de baiser tout ce qui bougeait pour être un G. Quand j'étais enfant, je rêvais de paix. J'étais quelqu'un qui était à la recherche du calme. Et puis, il y a la musique qui a très vite aidé parce que la musique, c'est très vite devenu mon havre de paix. C'était l'endroit où je me planquais. Je regardais Michael Jackson danser ou Prince chanter dans les aigus. Et ça me faisait un petit peu décoller. Ça me permettait d'effacer un petit peu la tristesse qu'il pouvait y avoir autour de moi. Je suis toujours dans mon hood, on est de retour Boulby. Ah oui, Renoir, t'as du buzz, dans 2 mois on t'oublie. Boulogne, c'est la ville de Danny Dan, de Booba, de Salif, de Zoxy, de plein de légendes. Si elle m'a influencé en bien, ça va être dans la technique. Parce qu'on n'avait pas le droit de rapper si on n'était pas au niveau. Même si j'ai toujours été un petit ovni parce que je faisais les choses à ma façon, j'ai toujours eu pour mission d'amener un peu plus de lumière dans cette technique-là. Dans une interview, tu disais que tu aimais la musique alternative parce qu'elle était sans compromis. Est-ce que tu penses, toi, faire une musique alternative? Je pense faire du rap avant tout, mais c'est vrai qu'il y a tellement de courants qui traversent mon rap que ça me gêne pas d'être classé parmi les ovnis et la musique alternative que j'aime tant. Je veux juste qu'on me rende ma mère, je veux juste qu'on me rende ma mère. Ça a été un album à la fois libérateur et fait dans l'urgence. En fait, j'avais pas le choix de parler des sujets dont je traite dans Bleu Gospel. Ça a été fait dans l'urgence, mais ça m'a complètement sauvé la vie. Un autre jour, Daddy boit encore et toujours. Daddy aime les percussions, c'est que Daddy sait jouer du tambour sur le visage de maman. Mais bon, Daddy s'excuse tout le temps. Daddy veut changer, c'est son qu'il nous a dit au restaurant. Avant même de sortir le moindre son de ma bouche, je savais que j'allais raconter quelque chose de délicat, mais que c'était le moment d'en parler. C'est une chanson qui traite de violence conjugale et de fuite. Je savais que ça allait être une étape cruciale et je pense que ça a été la première pierre vers la musique salvatrice. Si tu pouvais revenir une heure ou deux, prouver au ciel qu'il a tort de t'arracher à moi, de t'arracher à moi. Tu sais, ce qui me fait le plus peur avec cette chanson, c'est que ça devienne automatique et que je ressemble plus rien au moment de la faire. Et c'est pour ça que je change à chaque fois les petites notes ou mes intentions quand je la chante. C'est une chanson qui est faite pour transmettre des émotions et aussi pour dire aux gens qu'ils ne sont pas seuls à traverser l'épreuve du deuil. Il y a une forme d'injustice, on en veut à la terre entière. Et quand on sait qu'on n'est pas seul à traverser justement cette épreuve, c'est moins douloureux. Donc j'ai peur que ça soit redondant. Et d'ailleurs, tu dis aux gens qui a perdu quelqu'un. Oui, ouais, ça m'est arrivé. Après, j'ai arrêté de prévenir parce que c'est comme si ça permettait aux gens de remettre leur manteau, de remettre leur armure. Donc maintenant, je la chante tout de suite parce que les gens se préparent. Et je veux pas de ça. Je veux du lien entre les gens. Je veux qu'ils soient aussi vulnérables que moi sur scène. Regarde-moi maintenant, j'ai relevé la tête. J'avais peur d'être fort, peur d'être moi-même. J'ai fait les pieds et les mains, j'ai fait la manche.
Je rêvais black card quand le diable avait carte blanche, mais je n'ai plus peur du noir. Okay, peur, c'est le dernier morceau de Bleu Gospel. Dans ce morceau, je raconte que j'ai plus peur. Et le début de Papillon Monarque, l'opus suivant, je raconte que, mais en fait, c'était des bobards parce qu'il y a plein de nouvelles peurs qui arrivent. Parce qu'on a le droit d'avoir peur. Parce qu'on a totalement le droit d'avoir peur. Et la peur fait aussi partie de ces éléments salvateurs. Le fait d'avoir le trac avant de monter sur scène, ça veut tout juste dire reste pas sur tes acquis. Tu dois te battre, encore une fois. Tu dois te battre pour convaincre. Et de quoi tu as peur, maintenant ? En ce moment, je pense que j'ai peur de tout ce que je peux perdre en gagnant. Je pense que ma plus grosse peur, c'est d'y arriver, mais d'être tout seul. C'est de la musique, c'est du partage, et je perds de plus en plus de monde. Donc, va falloir que ça s'arrête à un moment. Le prix Joséphine 2023 est attribué à Pavillon Monarque de Thury. Dans mon écurie, enfin je parle pour mes frères et moi du Foufoun Palace, nos victoires sont toujours teintées d'altruisme. Et cette victoire, en réalité, je l'ai vue comme la victoire de ma mère et la mienne pour tous les sacrifices, et aussi comme une victoire d'équipe, mais pour le genre, le rap, ce qui avait de très 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 beaux disques. En face. C'est comme si les autres genres avaient fait un grand câlin au rap en disant « c'est bon, on a compris, vous êtes avec nous, donc vous méritez ce truc-là ». Donc je pense que ce prix-là me dépasse un petit peu, mais je suis archi-bosseur. Je peux te promettre que ce prix est dans un coin chez moi, mais déjà caché. Je pense à plus loin, mais je suis très fier. Est-ce que tu penses qu'il faut être un peu déconstruit ? Dans sa virilité, pour exprimer ce que tu exprimes. Ouais. C'est-à-dire tes souffrances et ta sensibilité. Oui, totalement. La déconstruction aussi est salvatrice. Si j'étais resté avec des prénotions à la con, un homme ne pleure pas ou un homme ne doit pas chanter, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Comment tu déconstruis ça, toi ? Je vais au cinéma tout seul, je vais voir des films... qui sont émouvants. Et je me laisse aller quand j'ai envie de me laisser aller, tu vois. Je m'interdis pas de faire des chansons d'amour ou de raconter mes mots en musique. L'amour, c'est au cœur de Foufoun Palace ? Totalement. L'amour et la fraternité. On a fait quand même quelques chansons qui parlent de ce sentiment premier qui est le sentiment le plus important de l'univers. On est très très porté sur l'amour. Dans la nuit, mais les fantômes de la vie chantent si fort. Depuis que tu n'es plus là, depuis que tu n'es plus là.